Salut tout le monde. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo... On voit du chocolat chaud. Non, on va vous emmener dans les endroits, pas les endroits, les activités hiver ici à Dubaï. On va essayer plein d'activités qu'on n'a jamais encore fait ici. Ouais, dans une, là, juste derrière nous. Le ski, je sais pas si on peut voir très bien, pas trop. Surtout, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise car elle aussi, elle non plus, elle ne sait pas ce qu'il y a. Quel genre de surprise? Je ne te dirai pas. Donc voilà, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une grosse surprise. Ok, bon, sinon, le ski, t'es tombé? Le ski, je ne suis pas tombé, mais... On va voir ça parce que j'ai une petite vidéo. Il est en train de me mettre les chaussures, mais en fait moi je suis pas prête. Ça y est, on y est. On va vous montrer ce que ça donne. Est-ce que tu peux me serrer un peu plus, s'il te plaît? Tu vas avoir les pieds bien serrés, tu vois. Je déteste faire le patinage, mais vraiment je déteste. Et voilà là où il m'a emmené. Eh ouais, on va patiner ou pas? Je suis vraiment pas prête, parce que je sais que je vais faire que tomber. Non, promis, tu fais en sorte que je tombe pas. Là pour t'aider. Je veux pas me casser un truc. Tu vas pas tomber une seule fois. Allez, peut-être une seule. Non, j'espère pas. Yeah! Qu'est-ce qu'elle est forte celle-là! C'est où mon portable? Je suis vraiment pas à l'aise. T'es à l'aise ou pas? Non? C'est la première fois qu'elle fait ça, c'est la première fois. Elle est trop lisse la glace. Non, elle est trop bien. J'ai peur de tomber. Bon, ça y est, on y est. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Cryothérapie les gens. Donc est-ce que vous connaissez les bienfaits de la cryothérapie? Il y a plein de choses, bon ça aide à la circulation du sang, contre la fatigue. Improve le métabolisme. Contre les inflammations aussi. C'est bon pour la peau, il existe plein de trucs, plein de bienfaits. Ouais. Et apparemment ça va nous aider à dormir. Donc normalement ce soir on devrait bien dormir comme des gros bébés. J'espère, je suis déjà fatiguée. Donc voilà, normalement c'est quoi? C'est à moins 170 degrés, donc c'est très très froid. J'ai trop peur. Imagine pendant 2 minutes 30 tu dois rester dans un truc à moins 170 degrés, mais genre imagine je fais une crise de panique. On va essayer, ça va être la première fois et on va vous dire ça juste après. On vous dit juste après. Allez, c'est parti. Alors bon voilà, on a fait notre petite séance cryothérapie. On est venu se réchauffer avec un bon thé chaud. Ouais. En ressortant c'était vraiment genre, il faisait vraiment très froid. En fait il y a deux salles, donc la première salle c'est pas très froid, mais après la deuxième salle, c'est là vraiment tu sens vraiment le froid. Ouais, t'as l'impression que ça fait mal limite, mais ça va, heureusement on était ensemble dans la salle. Ouais, il y avait de la musique derrière donc c'était marrant. Ça nous motivait. On dansait, on pouvait pas nous filmer parce que bon, on était... On était en sous-vêtements. Sous-vêtements, ouais. Mais non, franchement, c'était une bonne expérience. Ouais. On va voir comment on sent. Apparemment, on dort trop bien le soir même, donc... Tu veux faire de la luge? T'as pas peur? Pas trop envie de revenir, ça va? Tu vas mettre des chaussures de ski? Ouais. Tu vas voir, c'est chelou, hein. Ça fait mal. Déjà, ça y est, on a récupéré les skis, on est chaussés.
Mais lui, il est deck parce qu'il est qu'avec des gamins ski school. Hey, je vais venir te filmer avec tes petits là, tu vas moins faire le malin. Vas-y, comment, qu'est-ce que c'est un chasse-neige? Un chasse-neige, c'est, il te prend et te vole. Quoi? C'est quoi un chasse-neige? Je sais pas ce que c'est un chasse-neige. quelqu'un qui fait de la chasse sur la neige. C'est mal barré, je sais, hein. Je sais ce que c'est, un tire-fesse. Trop mal barré. Et après, il me dit qu'il est allé une fois au ski. Et c'est parce que c'est un chasse-neige. Je suis allé au ski avec un jean, mesdames et messieurs. Ouais, ben voilà. Donc du coup, j'ai hâte de voir tes progrès au ski. Ah ouais. Je vais t'expliquer ce que c'est un chasse-neige. Bon, voilà, je suis sur mon télésiège, toute seule, puisque Omar est en train d'apprendre à skier. Franchement, c'est ouf, hein. Il y a une zipline là. C'est super grand, après ça part derrière. Là, il y a un remonte-pente. J'imagine que c'est pour les petits. J'imagine que c'est là où Omar va apprendre à skier. Bon, ça fait 5 ans que j'ai pas skié, donc je me demande comment je vais être sur mes skis. Déjà, ça fait trop bizarre la sensation, mais j'adore. Je l'ai trouvé, il est là-bas. Il est en train d'apprendre comment monter, je crois. Moi, j'ai fait mon tour de piste, la neige est bonne. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, après, j'y resterai pas toute l'après-midi, quoi, parce que bon, il y a 2 pistes. Mais franchement, ça va. Je vais faire mes petits tours de piste en attendant Omar qu'il finisse d'apprendre à skier. Enfin, il va pas apprendre en 1 heure, mais au moins les bases. Quand j'ai descendu la piste, j'ai vu qu'il était en train d'apprendre à mettre les skis. Et là, maintenant, je crois qu'ils sont en train d'apprendre à, genre, à monter petit à petit. Vous êtes prêts à voir Omar descendre? Il arrive. Ok, premier plot. Le virage. Ah, il a raté le deuxième plot. C'est bien. Comment tu te sens? Franchement bien, j'aime bien la sensation. Franchement ouais. T'as raté le deuxième plot, hein? Il y a du potentiel, ouais. J'ai raté le deuxième et c'était la première fois que j'ai essayé. T'as laissé le tout plein. Ouais. On dirait que je pleure d'ici. J'adore le ski. T'adores le ski? J'adore. Ah, mais tu vas venir ici tous les jours pour tous les week-ends. Et après, pour aller enfin au ski. Tous les week-ends. T'en pas. Allez, ça c'est une piste un peu plus élevée. Il est passé au niveau supérieur. Ouais, supérieur. Voilà, je l'accompagne. Ça fait peur, c'est ça. Ça te fait peur. J'ai la peur là. C'est vrai? C'est bien. Eh, hey, tu vas vite, hein? Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est pas tombé. J'ai évité le pire. Mais t'arrives pas à faire des virages? J'en ai fait deux ou trois. À vous, t'as pas réussi à contrôler ta vitesse? Non, la vitesse. T'as pas réussi à contrôler. Genre, il y aurait quelqu'un devant toi, catastrophe. Ouais, là je crois. Mais je suis pas tombé. Allez, vas-y. Bon, voilà, on a réussi à monter tous les deux sur le télésiège. Covid oblige. Ça va? Ça fait quoi d'être sur haut, le télésiège, hein? C'est vraiment très très haut. C'est haut, hein? Ouais. Non mais là ça y est, on a déjà descendu la moitié de la piste. On est monté à pied en fait pour aller au restaurant Avalanche, ça s'appelle. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. Franchement, à conseiller le ski Dubaï. Si vous venez à Dubaï. Mais j'ai froid en tout cas, j'ai le nez qui coule, donc c'est que genre vraiment j'ai froid et mes doigts ils sont tout gelés. Et voilà, cette semaine, du coup, vu qu'il commence à faire super froid à Dubaï, on a essayé toutes les activités d'hiver qu'on pouvait essayer. Vous voyez, on est avec notre jaquette et tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous venez à Dubaï en ce moment, n'oubliez pas de prendre vos pulls parce qu'il fait super froid. Là, on part au resto et on est obligé de s'habiller comme en hiver. Enfin, pas dans l'extrême, hein. Il neige pas non plus ici, ouais. Mais voilà, il fait froid. Donc, super froid, ouais. Attends. Un seul truc. Comme on vous a dit au début de la vidéo, ah oui, la surprise. Il allait avoir une surprise. Ah oui, c'est quoi? La surprise, c'est quoi? Demain. On va partir en vacances, toi et moi. Non, mais ne te comportez pas. Bah si. J'ai tout booké. En bas où? Ça va être sur la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Le seul truc, c'est que demain matin, on va faire un test PCR. Ok. Ok. En espérant que ce soit négatif. Ok. Ok. Comment je fais pour faire ma valise? Pour la valise, je te donne un seul indice. Tu prends des affaires pour le show. Maillot, short, et c'est tout. On s'y part? Ça, je te dirai pas. Mais je sais pas. C'était la grosse surprise que je voulais vous annoncer, mais il faut rester pour la prochaine vidéo la semaine prochaine à la même heure et ça va être le vlog. Oui, je rigole pas. Ok. Elle n'y croit pas. C'est ça. Hey, on commence l'année 2021 avec des grosses surprises. Et je me demande vraiment où c'est qu'on part. Ouais, ah, je sais. Ok, je pense savoir. La station balnéaire en Égypte qu'on avait parlé là au mois de novembre, on voulait partir. Ouais, je dirais rien du tout. Aujourd'hui, elle va pas dormir. Elle va pas dormir. Elle va être en boucle et ça y est, on va où, blablabla, nuit blanche ce soir, aujourd'hui nuit blanche. Ok, je suis trop excitée. Demain soir, ok, on part pour la destination.
Et on vlog du coup là-bas. On vlog là-bas, donc on vous montrera tout ça. Cool. Et je la prendrai quand c'est la destination? Je la prendrai demain, quand c'est à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport. Ça okay. te va? Ok, bah, j'ai hâte de découvrir comme vous. Voilà. Ok, mais j'imagine que je pourrais mettre des stories sur Instagram. Quand ça va, bien sûr. Ok, bah, venez nous suivre sur Instagram si vous voulez voir ça plus vite le dimanche prochain. Ça va être très trop cool. On espère que cette vidéo vous a plu les amis. Voilà, c'était activité hiver à Dubaï. En attendant, la prochaine vidéo, comme on vous a dit, la semaine prochaine à la même heure. Et surtout, restez ici.